Bonsoir, bienvenue sur Nord Latitude. Aujourd'hui, je fais le test de Flight Simulator 2020 sur Xbox Series S. Allez, c'est parti, on est pour Bora Bora. Et franchement, je l'avais sur PC, il laguait un peu, mais sur console, il est super bien optimisé. Comme vous pouvez le voir, les graphismes sont superbes. Je vous laisse admirer. Maintenant, on est en Égypte, aux pyramides de Gizeh. Alors, changement complètement d'univers, faut savoir que le jeu, vous pouvez faire la planète entière, il est vraiment génial. Bon, il faut une bonne connexion internet pour que les graphismes soient agréables, mais franchement, je vous le recommande. Maintenant, nous voici dans la baie de Naples. Vous allez voir, les graphismes sont superbes. Allez, je suis prêt à voler et regardez la qualité des nuages, de l'eau, des environnements, de la côte. Franchement, sur Xbox Series S, je suis vraiment surpris de la qualité du jeu. Voici maintenant le mont Everest en montagne. Les effets de neige sont superbes. Vous pouvez admirer franchement ce jeu après une journée de travail, il vous détend et vous visitez la planète entière, c'est excellent. Maintenant, on vole au-dessus de Paris, il y a la Tour Eiffel au loin. On va aller jusque là-bas pour admirer la définition du jeu.
Maintenant, on est à San Francisco. Pareil, les graphismes sont superbes. Franchement, le jeu est super bien optimisé pour ce type de console à 300 €. Ils ont fait des miracles. Regardez la qualité graphique de la ville. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée sur la chaîne Nerd Attitude. Allez, ciao!